C'est beau, hein. Oui. Soyez les bienvenus à Fort Boyard. C'est calme, c'est un peu trop calme pour moi. Pas pour vous aussi, vous trouvez pas? Non, ça manque d'épreuves, de candidats, d'aventures, de stress, de chronomètres, d'action, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, je les entends qui arrivent, nos candidats. Faisons connaissance avec eux. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont motivés, ils ont toutes les qualités pour faire une grande équipe. Et 24 heures pour nous le prouver, voici Shirley Bousquet, comédienne dans Caméra Café et 20h10 pétante. Jean-Luc Lemoine et Arnaud Gidoin, ils sont comédiens et chroniqueurs dans l'émission de Laurent Ruquier. Olivier Capot, footballeur professionnel et membre de l'équipe de France. Nathalie Marquet, comédienne. Et Eglantine Émeillé, animatrice. Ils sont venus pour défendre l'association Dessine-moi un mouton pour laquelle ils vont tenter aujourd'hui de remporter un maximum de boyards. Quel plaisir de retrouver Passepartout, Passe-temps et Sarah, bien sûr. Sarah, cette mission sans toi, ce serait comme une épreuve sans clé. Ce serait bien triste. Une épreuve sans clé à la clé? Oui. Hein, tu l'aimes bien celle-là? Oui. Et Olivier, sans toi, ici, ça serait comme un fort sans boyard. Mal. C'est incroyable ce que vous dites là. C'est énorme. C'est beau. Ça vient de là, ça vient de là, quoi. De là, de là. Bon, cela dit, ça ne retire rien au plaisir que nous avons à vous accueillir sur le fort. Bonjour. Voilà, soyez les bienvenus. Très heureux de vous voir. Et surtout, bien de voir comment vous allez vous débrouiller avec cette aventure qui vous est proposée. Une association à défendre également? Oui. Bien sûr, on joue pour une association qui s'appelle Dessine-moi un mouton. C'est une association qui fait un travail formidable pour les enfants touchés par le sida. Alors elle assure un suivi médical et puis un soutien psychologique. C'est très important parce que trop souvent ils se sentent exclus de la société. Et elle va leur apprendre à construire un vrai projet de vie pour leur avenir. Alors on va jouer tous ces petits moutons et on va gagner. Merci beaucoup. Ouais. C'était ça votre cri en fait, c'était on va gagner. Non, le cri de guerre, le vrai. 8 jours qu'on le bat. Ah, pardon, 8 jours, excusez-moi. Allez-y, on y va. Attention, 2, 3. On est grand, on est fort, on est boutons, on chante fort. Oui, bien. On sent l'énergie montée. Arnaud Becquet, monsieur Taquet. Monsieur Taquet, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je veux des boyards. Tu en auras, va, tu en auras. Enfin, cela dit, d'abord, c'est pas gagné. Vous avez 45 minutes pour la première phase de jeu, pour récupérer les 7 clés qui vous permettront donc, je vous le rappelle, de déverrouiller la porte de la salle du trésor qui se trouve au-dessous de nous. On va suivre Passepartout dans un moment pour la première épreuve. Bonne chance à vous. Voilà. La boule, lui, ne perd pas de temps. Il est à l'heure, comme toujours. Parfait, la boule, c'est parti. Allez, bonne chance. Bon, voyage, c'est pour vous. Voilà. Voilà. Plein d'énergie. Je sais pas si ça va durer. Enfin, vous reverra ça tout de suite. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit tout d'abord déverrouiller la porte qui la protège. 7 clés sont nécessaires. Elles s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du père Fourat. Attention, si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les geôles de Fort Boyard. Ça rigole, ça n'a pas rigolé longtemps. Bon, je vous rappelle que nous sommes ici pour la première épreuve. Comme c'est la première épreuve, c'est une sorte de mise en jambe. Il est... Non, ça c'est trop tard, il fallait le dire avant ça. Je suis désolé. On va avoir un bateau. En revanche, vous le savez, dans l'émission, il se peut fort bien que si vous n'arriviez pas à récupérer des clés, certains d'entre vous risquent fort d'être prisonniers. Alors pour vous habituer à cette idée de la prison, Olivier, approche-toi. Je te propose une cellule avec des barreaux, t'en verras plein. Comme ça, c'est une façon comme une autre de t'habituer. Bonjour ami. Voilà. Tu vas te... Mais Passepartout, aide-le peut-être à s'arnacher. Tu vas porter cette gaine. C'est une vieille gaine de la boule quand il était jeune. Depuis, forcément, il a forci. Bien. Je t'en prie. Voilà. Attention. Bonne chance. Allez, on va désigner une personne pour lui parler. Arnaud, je te sens chaud là. Ouais, je suis chaud, tu vas parler. Contre la porte. Est-ce que tu vois la clé, Olivier? Tu parles pas au moniteur, ça sert à rien. Tu as vu la clé, Olivier? Non. Alors, la première chose qu'il faut lui dire, c'est la ligne de vie qui le maintient. Il faut toujours qu'il la mette entre ses deux bras et devant. Et qu'il se mette, tu vois les barreaux là-bas, qu'il se mette face à l'échelle. Mets-toi face à l'échelle, la corde toujours entre tes deux bras. Mets-toi face à l'échelle, Olivier. Oui, en face de lui. Alors, je ne sais pas comment lui dire. Voilà, très bien. Très bien. Il y a des barreaux qui vont se trouver sur le côté et en bas. Ouais, il doit reconstituer une échelle. C'est l'échelle infernale. Voilà. Allez, vas-y, continue. Monte. Surtout, il doit
Prends des barons en bas qui te serviront à monter. Voilà. Prends les barons du bas qui te serviront à monter. Il les récupère. Ensuite. Alors, non, déjà qu'ils montent dessus, déjà qu'ils voilà, montent dessus. Alors, vous n'avez pas encore l'habitude, mais toujours surveiller le temps de la tête titre. Et là, il faut qu'il accélère parce que. Bienvenue, accélère, accélère, Olivier. Vas-y. Je récupère la déco et c'est pas le cas. Monte. Accélère, c'est. Monte. Voilà. Voilà. Vas-y, vas-y. Prends voilà. Sur ta voilà. Droite. Et surtout qu'il récupère. Sur ta droite. Voilà, très bien. C'est l'autre en bas de prendre les bateaux. Voilà. Allez, Olivier, ouais. Voilà. La ligne de vie, c'est ce que je disais tout à l'heure. La ligne de vie entre les bras. Entre les bras devant lui. Parce que s'il tombe, ça sera moins dangereux. Ça sera carrément d'accord. Pas dangereux d'ailleurs. Entre tes bras devant non, mais toi, c'est Olivier. Il ouais. Faut vraiment qu'il, le mette, qu'il mette cette et ligne de vie devant lui. Non, et qu'il le fasse maintenant. Prends Olivier. Arnaud, oui, c'est bon. Arnaud, vraiment, il faut vraiment qu'il mette cette ligne de vie devant ouais. Lui. Sinon, mais, c'est mais la corde entre tes bras, Olivier, s'il te plaît. Il peut se faire très mal, si. Il va te faire mal, sinon. Voilà. Olivier, m'oblige pas à rentrer. Voilà. Devant lui, voilà. Devant lui. Retourne voilà. Un petit peu la sangle. Qui retourne la voilà. Sangle. Retourne la sangle encore. Très bien. Donne des mots. Et maintenant qu'il a voilà. Dépêché, là, il faut... Hein. Regardez la clé. Allez, voilà. Là, il faut qu'il sorte. Bon, bon, qu'est-ce qui s'est passé, Olivier? Tu comprenais pas au départ ce qu'il fallait faire? Non. Hein? Non, je comprenais rien. Enfin, t'es là, c'est ce qui t'entend. On a eu peur! On a eu peur, ton homme! On tient vraiment à rassurer ses proches, ça va. Les leçons à tirer, c'est quoi? De surveiller la clé de cidre? Eh, si je vous ennuie, vous me dites. Je peux vous laisser tout seul. Surveiller la clé de cidre. Transférer tout de suite, Olivier. Tout de suite? Parce que là, on n'en a plus besoin. Parler avec des mots simples. Parler avec des mots simples, ouais. Surveiller et Olivier. Et nous donner des épreuves faciles. Ouais, ouais, non, ça va pas le faire. Allez, on suit passe-partout et on y va. Allez, on y va. Bon, c'est tour de chauffe, on va mettre ça sur. Ou alors il y a ça. Passe-partout a le sourire et pourtant j'ai bien peur que nous n'ayons pas que des bonnes nouvelles. Pas de clé donc pour l'instant. On ne va donc pas perdre de temps, on va même être plutôt direct. Oui. Olivier, on a vu que tu étais quand même beau joueur. Mais non, quoi qu'est-ce je suppose que tu seras donc le premier d'accord pour laisser ta place à Arnaud. Oui. Ah, voilà, Arnaud. Je veux dire, rapport à quel... Mais rapport à l'émission, vous allez voir. Arnaud, bonne chance à toi. Oui. Attention. Je vais lui donner des conseils, tu te mets contre la porte. Ouais. Pour lui dire ce qu'il faut faire, nous on va te le dire. Si tu regardes le moniteur, malheureusement, il ne nous entendra pas, il t'entendra oui, mais... pas. Allez, c'est bon, que je déplace des caisses. Voilà, il faut que tu pousses voilà, les caisses. Et en tout cas, c'est un puzzle, donc il doit ramener le tonneau sur lequel se trouve un outil jusqu'à l'autre côté de la cellule. Mais je dois chercher quoi exactement voyez, la clé, mais... à ce niveau-là. Voilà. Vous savez où la clé elle est en diagonale par rapport à toi, la clé. Il la pose devant lui et ensuite à droite. Il faut. Pousse-la devant toi et à droite, après. Alors, c'est le tonneau. Alors, attention, méfiez-vous parce que le tonneau... Il y a un tonneau qu'on ne peut pas bouger. Le tonneau, tu ne peux pas le bouger, Arnaud. Il doit tout refaire. Quoi? Donc il doit bien s'organiser. Bouger le tonneau. D'accord. En fait, la clé il faut qu'il la récupère sur le taquin qui se trouve tout au bout. Alors, non, la clé se trouve là. Là, je vous la montre. Où elle se trouve là. Donc il doit récupérer l'outil qui se trouve sur le tonneau. Donc il doit à chaque fois déplacer le tonneau, puisque l'outil, il ne peut pas déplacer sans le tonneau, jusqu'à l'autre côté de la cellule. Pour ce faire, il doit lui... trouver un chemin. Ce qu'il fait, ça ne sert strictement à rien. C'est le tonneau qu'il faut que tu bouges. Ah, bah il doit aller sur le tonneau, libérer le faire de l'espace. Ah, le tonneau, tu veux pas venir c'est comme un... C'est comme un... Tu amènes ce tonneau. Et l'outil. Dans le trou. Vas-y, ouais. Faut que j'amène le tonneau. Un labyrinthe. Je me rends compte, comme d'habitude, je suis très déçu, Arnaud. Non, mais c'est comme un jeu de taquin. Il descend le tonneau. Vous connaissez les jeux de taquin? Non. Non, mais ça y est, il a J'ai pas le droit de le soulever le tonneau. Quand tu libères un espace, tu remplaces par une caisse. Et comme ça, tu libères un autre espace. Et après, tu fais avancer le tonneau au fur et à mesure. Voilà. Ok, Jean-Luc. Il s'est moqué de nous, hein. Il s'est moqué de nous tous. Voilà. Il s'est moqué voilà. De nous. Voilà. Ah, bravo, ouais, bravo. Allez, il a bien. Oui, pousse-le. C'est bon. Continue, dépêche-toi. Alors, c'est vrai que chaque caisse est très difficile à déplacer puisqu'elle pèse chacune 80 kg. Mais là, il faut qu'il se lance. Il faut qu'il se lance.
Arnaud, t'as voulu te moquer. J'ai rien compris. Moi. Hein, tu t'es moqué. Je t'ai vu dans les escaliers, tu te moquais. Y'a un mec qui a marre les caisses. Je crois qu'on est mal. Je ne peux pas le dire, mais on est mal. C'est bien. Ça, ça mérite peut-être un petit cri de guerre. Ouais. Allez-y. Allez-y, faites un cri de guerre. Quand même un peu. Bon, Arnaud. Oui. Ça t'apprendra à rigoler dès le début. Maintenant. Mais c'est pas mal. Bon, allez, regardez, regardez qui est là-haut, c'est Olivier avec Sarah, l'équipe, pardon, mais pour l'instant, toujours zéro clé. Avec la vigie que je propose maintenant à Églantine, peut-être donc l'occasion pour vous d'en récupérer au moins une. Ce serait déjà ça, Églantine, le père Fourat t'attend. Allez, tu suis passant. Et nous, on va suivre passe-partout, on va aller voir qui. J'avais quelque chose à vous dire, mon petit Olivier. Oui. Et ça m'est, alors, comme un courant d'air. Vraiment, ça m'est sorti de la tête, je sais plus. Je sais pas, c'est par rapport à Églantine. Non. Les clés. Je l'ai sur le bout de la... La langue. Ah, la langue. Ça, je cherchais déjà. Mais non, je me rappelle plus. Bah, écoutez, allez, je reviens tout à l'heure. Hein, vous me dites tout à l'heure. Okay. C'était... Merci, pas pour un. C'était ça. Attention, la marche. C'était ça. Trop tard. Si on désirait ce qu'on possède, on aurait ce qu'on veut, mais comme on ne veut jamais ce qu'on a, alors on n'a jamais ce qu'on désire. Bon, bien, oui, bon, c'est pour une clé, c'est l'étage au-dessus. Oh, l'ascenseur est juste derrière. Oh, bah non, ça change tout, Églantine, c'est vous qui venez. Oh, bah alors mettez-vous à l'aise, vous avez tout ce que vous voulez, tout ce qu'il vous faut. Ben, j'espère, oui. Pour le coup, on n'a rien, mais il va falloir... Non, bah écoutez, moi j'ai tout, en vous voyant, je suis comblé. Méfiez-vous tout de même, parce que passe-temps, des fois... Alors allons-y. Je suis en train de parler du détachement, de la possession, mais en vous voyant, tout est bouleversé. Bon, alors, c'est pour une clé, hein, oui, c'est bien ça. La clé là, vous n'y touchez pas, je vous pose à bord une petite énigme. Puis vous vous décontractez tout de même. Hein? On va essayer. Oui, bon. Bon, moi je vais me concentrer à mon tour. Écoutez bien, voici l'énigme. On peut le perdre ou en manquer. Le couper ou être à bout. Mais après le dernier, c'est la fin de tout. Et je ne répète même pas parce qu'elle me répond... Le souffle. Pardon. Le souffle. Je suis un petit peu, oui. Le souffle. Oh, ben c'est ça. Oui, ben oui, c'est ça. Et perdre ou manquer de souffle, avoir le souffle coupé, comme moi d'ailleurs, ou être à bout de souffle, comme moi aussi, j'ai même un point de côté en vous voyant. Et après le dernier souffle, c'est effectivement la fin de tout. Et ben écoutez, ben, vous repartez avec une clé. Hein? Merci beaucoup. Et vous partez à mon grand regret d'ailleurs. À bientôt, père. À bientôt, ma petite Églantine. À bientôt, elle part déjà. C'est curieux, comme parfois son prochain peut vous paraître si lointain. Bien, le soleil est revenu comme les sourires sur les visages de tout le monde, c'est plutôt bien. Il t'a taquiné, il y a un gens qui te taquinent, il te cherche. Il cherche la bourse. C'est mon idole. C'est mon idole, j'ai ton DVD, une belle qui se passe partout. Bon, je trouve que ça, voilà, enfin, ça démarre. Là, je crois que ça décolle. Première clé, Églantine ouvre la voie, parfait. Jean-Luc. Oui. Bienvenue à l'auberge. Ah, ben très bien, la bonne chose. Cling, une. Salut, je fais le bruit. C'est moins bien. Eh, mais tu vois, il n'y a pas le style. Bon, je disais donc, mon cher Jean-Luc, sois le bienvenu à l'auberge du Mancheville. Rassure-toi, ici, rien de plus simple, c'est une formule plat unique. Et ici, comme le veut la tradition, on mange sans les mains, sans les pieds, j'allais dire, ça c'est certain, sans fourchette et sans couteau. Viens ici, approche-toi. Rien du tout, mais... Voilà. Tu entres ta tête, s'il te plaît, et les mains. Sors Jean-Luc. Sors ce corps. Tu places tes mains là, voilà. C'est bon, attention à toi. T'as pas été gentil, Jean-Luc. Ouais, c'est bien. Jean-Luc, bonne chance. Hein. C'est pas gagné, mais on va y arriver. Ok. Jean-Luc, voilà, bah, t'as tout compris. Tu dois prendre ce fil dans ta bouche, le manger de façon à récupérer la clé. Tu vas glisser la clé dans un petit trou, hein, et on pourra ainsi la récupérer.
Là, on va bien faire pour lui. Non, 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 là, à part l'encourager ou lui donner des petites fessées comme tu faisais tout à l'heure, on ne peut rien faire. C'est bien. Est-ce que tu aimes manger des fils? Il faut qu'on ait du temps, vas-y vite. Ça, c'est bien. C'est bien, déjà, ouais. Bon, les chantiers. Il avait la main, c'est à sa mère. C'est la clé à ton tonton, ça. Allez, vas-y, il va nous rapporter la clé. Imagine que tu... Imagine que tu manges des spaghettis. Attention, troisième au championnat du monde de bouffe. Allez, bravo! Bravo! Bien! Parfait! Deux clés, hein? Je pense que vous allez la récupérer, non? Non, moi j'irai dans les caisses, c'est des filles. Bravo! Allez! Allez, on y va! Mais quelle cascadeuse, venez donc près de moi. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es fait mal? Oui, bah, j'ai failli me prendre... Tu t'es pris quoi? Rien. Ça va, Chauvet? Oui. Bon, bien. Aie confiance. Ça va bien, Si tu pouvais arrêter la tripotée, c'est tout. Ah, j'aime bien. Voilà, je lâche. Quoique, il vaut mieux que je la rassure un temps soit peu. Ah, merde. Tu sais que les Gaulois avaient très peur du fait que le ciel puisse leur tomber sur la tête. Voilà. Eh bien, tu vas expérimenter cette peur, là, maintenant. Tu vas voir, c'est angoissant, à plus d'un titre. Bonne chance, Charlotte. C'est parti. Bon, alors, là, c'est la première chose que je voulais dire, c'est un travail méthodique. Très bien. Prends toutes les clés. Toutes les clés, tu les mets de côté. Tu les mets de côté. Voilà. Ramasse toutes les clés, fais un petit tas. Vas-y. Donc, elle doit trouver trois bonnes clés, de façon à ouvrir le petit tas dans lequel se trouve la clé. Ça marche pas, ça. Alors voilà, maintenant il faut qu'elle essaye tout, mais alors surtout, Nathalie, tu lui dis. Non. Attendez, là, pour lui, elle va pas comprendre. Tu essayes dans chaque serrure. D'accord. Et après, tu la jettes loin si c'est pas bon, comme ça. Mais qu'elle passe en bas, les clés, que c'est pas valide. Voilà. Et un autre. Écoute, tu l'as eu et c'était in extremis parce que
vraiment au moment où on te disait sort, on pensait que t'allais sortir sans clé. Donc voilà, le principal de jeu. Je crois que c'est vraiment la loi des séries. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer sur cette lancée. On va essayer de récupérer une quatrième clé. Allez, on y va, bravo. Sarah, les mots nous manquent. Oui, il en reste encore quatre. Oui, certes, mais enfin, bon, pour le moment, Shirley... Oui, bien. Nickel. Bon, vous savez qu'ici sur le fort, on m'appelle le magicien fou. Et j'ai, Olivier, pour toi, la possibilité d'exaucer un de tes rêves. Ne me dis rien, je sais ce que c'est, enfermer une femme dans une cage, lui ajouter des rats, je sais. Eh bien, c'est fait, sache-le. Tu es un homme heureux, c'est normal. Nathalie, tu ne regretteras pas de toi non plus, profites-en du moment, car tu vas l'accompagner. Allez, c'est par ici. Nathalie, Olivier. Allez-y. Donc, on a déjà une indication, hein, Nathalie, dans la cage. Attention, à tous les deux, c'est parti. Donc c'est une souricière, Nathalie doit rentrer. Qui va parler à Nathalie et Olivier au travers de la porte? Ok, Jean-Luc. Il faut qu'elle rentre dedans, qu'elle rentre dans la cage. Et il faut maintenant... Tu vas faire monter la cage au fur et à mesure. À chaque fois que tu fais monter d'un cran, il faut que tu bloques la cage et après tu passes de l'autre côté, Olivier. Très bien. C'est Nathalie de... Voilà. Nathalie, tu bloques la cage quand il a monté. Et après, Olivier, tu changes de côté. Voilà. Vas-y, Olivier. Il faut qu'elle débloque le taquet. Mais lui, il faut qu'il monte. Olivier, il faut que tu montes. Tant qu'elle n'a pas bloqué, tu montes. Et quand elle a bloqué, tu passes de l'autre côté. Qui monte la cage, qui surélève la cage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette cellule, il faut qu'elle récupère une clé qui se trouve tout en haut de cette cage. Et elle doit traverser. Accroupis-toi. Sur les épaules. Comme une chaise à porteur. Sur les épaules. Qu'est-ce que vous dites là? Sur les épaules. Tu te mets les mains sur les épaules. Les mains sur les épaules, Olivier. Voilà, comme ça. Allez. Mais normalement, il devrait arriver à le faire comme ça. Voilà, il faut qu'il court de l'autre côté. Mais normalement, il devrait arriver à le faire, hein. Voilà. Juste avec les bras. Voilà, très bien. Voilà, encore. Voilà, vas-y. Voilà, vas-y, Olivier. Ils ont compris le système. Vas-y, Olivier, donne cette échange. Maintenant, sur les épaules. Alors maintenant, il faut vraiment dépêcher-vous. Ouais, ouais. Allez. Oh là là, vous criez tellement. Vous savez que c'est une cellule où l'un des deux peut rester prisonnier. Allez. Et là, pour le coup, c'est éventuellement Nathalie, puisque c'est Nathalie qui est prisonnière dans la cage. Non, pas encore. Il faut leur dire de continuer. Il faut qu'elle passe sa main au travers de toute de la cage à souris. Vous voyez la souricière, pour récupérer la clé. Vas-y, on y est, on y est. Bon, faut qu'il commence à penser à sortir, mais... Non, elle peut pas sortir. Attendez, là vous criez dans tous les sens. Elle peut pas sortir. Pour sortir, il faut soit que la cage soit tout en haut, soit qu'elle soit tout en bas. Donc ça veut dire qu'Olivier laisse Nathalie prisonnière. Il la laisse, qui sort, qui sort, 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 tous les deux. Vite, il sort. Ça permet, hein. Sors, mais pousse pas, ça faut pas laisser sortir. Non, c'est fini. Quoi? Bon, alors là, vous en perdez pas un, vous en perdez deux d'un coup, deux prisonniers. Non, bouge sur les oreilles, Arnaud, alors là. Non, vous, avec qui? Avec la boule? Non, ouais, il est dur en négoce, la boule. Il n'y a eu aucun procès. Non, sérieusement, il y a deux prisonniers, ça veut dire que vous allez devoir tenter de libérer ce soir, cette nuit. Et ça, je suis sûr que vous allez être très fort et que vous allez tout donner pour récupérer. Sarah, l'équipe, nous allons passer à une nouvelle vigie, c'est-à-dire, vous le savez, une nouvelle énigme. Jean-Luc, je ne sais pas si tu sais exactement ce qu'est une énigme. Eh bien, rassure-toi, le père Foura va te l'expliquer. Vous venez me rejoindre. Allez, je vais te le père Foura, ne sois pas impressionné. Surtout, et ramène-nous une quatrième clé, c'est une quatrième clé. Nous, on va aller rejoindre Olivier et voir ce que vaut Jean-Luc avec le père Foura. Bon, Églantine, tu sais quelle est la grande différence entre un animateur et des candidats? C'est que vous êtes du bon côté. Oui, je te le confirme, car parfois les candidats sont obligés de monter au filet, ce qui sera ton cas, au cas où, bien sûr, Jean-Luc ne récupère pas la clé à la vigie. Voilà. Allez, on t'équipe, et nous on regarde maintenant ce que donne cette rencontre au sommet. Jean-Luc. Oh, quelques failles, quelques défauts dans cette équipe.
mais j'ai de l'indulgence pour les défauts. Comme disait mon arrière-grand-père, les défauts sont comme les phares d'une voiture. Seuls ceux des autres nous aveuglent. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, Père Fouras. Je suis tellement content de vous voir. Bah, écoutez, c'est partagé, sachez-le. Dites-moi alors, il y a quelques déboires, j'ai l'impression. Quelques petits soucis, mais on a la situation bien en main. Pardon. Pourtant, j'ai vu que vous aviez de l'appétit tout à l'heure. Hein? Oui. J'aime bien manger des clés. Bah, écoutez, ça tombe bien parce que le plat du jour, c'est une copieuse énigme. Et si vous finissez tout, eh bien voici le dessert. Ça donne faim. Bon, eh bien écoutez, voici l'énigme, écoutez bien. Il définit une valeur qui peut varier selon un cours. Il récompense un auteur s'il porte le nom de Goncourt. Un prix. Je répète et... Je dirais un prix. Bon, oh, bah écoutez, moi je vous réponds que là, vous avez trouvé. Écoutez, en attendant le Molière, on va s'occuper déjà. Ça fait tellement plaisir, je peux vous embrasser. Oh, bah allons-y, allez-y. Merci, allez, allez, allez. Bon, allez, allez, allez. Allez, au revoir. Oui, bah restez. Hein, je repasse ce soir. Oui. L'humilité est de rigueur sur le fort. N'oublions pas que même une mouche a son ombre. Églantine, tu peux te déséquiper. On a la clé. On s'y passe partout. Ouais, merci. Non. Aux choses sérieuses. Et on est plus que deux. J'ai mis Mina. J'ai mis Mina. Vous, c'est vrai que vous êtes de moins en moins nombreux. C'est bizarre, ça. On va tout faire. On va tout faire. Ah bah non, on va tout faire. On passe partout ? On passe partout, c'est un cadeau. Très bien. Merci beaucoup. On est épatés. Épatés, vraiment. Voyons ce que va donner maintenant Arnaud. Arnaud ! Écoutez, avec les tonneaux. Mais là, je vais me donner à fond, vraiment, je vais me donner à fond. Oui, c'est ça à fond. Tu penses que tu vas y arriver? Mais là, je craque tout, là. Bon, parfait. Je t'explique rapidement le principe. Oui, c'est bien. Plus sur plus, moins sur moins. Ça te paraît obscur, c'est normal. C'est à toi de faire la lumière là-dedans. Je t'en prie, tu t'équipes. Allez. Oh, t'es beau. Allez, mon gamin, décollage. Très à ton avantage. Arnaud, tu peux signaler de manière très sérieuse, si tu es capable d'être sérieux, de ne surtout pas faire ça à la maison. Non. Surtout pas les enfants. Non, surtout pas les enfants. Bon, il est pas très sérieux, donc je dis les enfants, vous ne faites jamais ça à la maison. Ne jouez pas à l'électricité. Surtout, ne portez jamais ce genre de t-shirt. Voilà. Allez, ne perdons pas de temps. Arnaud. Pardon, excusez-moi, c'est pas grave. Vas-y. Tu te prends pour qui? Tu me cherches? Attends, sérieux, attendez. Il y a une clé, il faut faire... Arnaud, il y a une clé. C'est parti. Ok, alors là, écoutez-moi bien, parce que c'est une nouvelle cellule de notre édition Grand Cru 2004 sur Fort Boyard. Il faut qu'il attrape les deux élastiques, ça y est, c'est fait. Comme l'a dit Olivier, c'est plus sur plus, moins sur moins. En réalité, c'est rouge sur rouge, bleu sur bleu. Il doit établir le contact. Alors, là, il établit le deuxième contact. Ce serait bien qu'il commence par le premier qui se trouve à sa droite. À droite. Bon, il peut commencer par celui-là également. Qu'il établisse le contact 3 secondes au minimum. Voilà. Non, il y en a encore un deuxième sur ta droite. Je voudrais juste expliquer de quoi il s'agit. Il y a deux filaments à faire brûler, et c'est en faisant brûler ces deux filaments qui récupèrent donc la clé. Ça, j'explique parce que c'est une nouvelle cellule et que tout le monde ne connaît pas forcément les règles. Non, mais il est bon, hein, il est très bon. Très à ton avantage. Génial. Ouais, pardon, allez, prends la clé. Prends la clé, bonhomme. Vas-y. Je tiens à remercier toute l'équipe. Écoute, tu avais dit que tu te donnerais à fond, tu t'es donné à fond, tu nous l'as prouvé, tu nous as ramené la cinquième clé. Tu peux la donner à Passepartout. Non, fais-le. Non, c'est très bien. J'ai laissé du poil après. En plus, c'est pas évident. Non, mais sérieusement, moi j'essaye d'être sérieuse, ça marche jamais avec vous. Mais c'est vraiment pas évident ce que t'as fait. Merci, Sarah. Très bien.
faut beaucoup de force dans les bras. Il y a des doigts dedans, il y a des doigts dedans. Attention. Bon, il reste deux clés à récupérer. Vous avez deux prisonniers. L'heure n'est pas encore grave, mais presque. Il suffit par toi, allez, on y va. Allez, hop. Oh, oh taquet, oh taquet, oh taquet. J'ai eu. Oui. Je vous trouve très calme. J'ai tellement l'habitude depuis le début de l'émission que je vous entends hurler. J'ai piqué la clé. Je fais quoi? J'ai piqué. Tiens, je te la donne. On va manger des cimpons. Voilà. Je sens qu'il va te donner les cloches. Les enfants, ne faites pas ça chez vous non plus. Non. Ils sont brillants, allez, mais bruyants. Ouais. Je veux dire... Tu sais, on n'est pas venu chercher. Non, j'ai vu ça. Un petit tonneau, là, c'est... Ouais. Bon, parfait. Alors, je rappelle quand même, parce que nous faisons la fête, vous avez quand même deux prisonniers. Ouais. Ne perdons donc pas de temps maintenant pour éventuellement peut-être une sixième clé. Je propose à... Vous savez, je suis un peu magicien, je vous le disais, mais parfois je fais un peu mes tours. Là, je voulais un tapis volant pour toi, Shirley. En fait, c'est un tapis roulant. Je sais pas si ça te va. Yes. Bon, vas-y, quand même, tu verras. À mon avis, tu prends un coup de frais, c'est déjà ça. Attention, c'est parti. Voilà, là, on peut juste s'amuser et regarder. J'imagine que vous connaissez tous cette cellule. Prenne le tapis à contresens, que tu remplisses les barriques avec de l'eau. Mais il faut que j'aille. Pas les barriques, il faut qu'elle prenne les seaux. Ouais, qu'elle prends les seaux, prends les seaux, après, tu les remplisses. Jean-Luc, déjà qu'elle monte sur le tapis. Déjà qu'elle monte sur le tapis. Monte sur le tapis. Non, par les petites marches qui se trouvent devant la porte. Par les petites marches. Par les marches qui se trouvent devant la porte, là, elle perd du temps, elle n'arrivera pas comme par ça, elle va se faire mal. Par les marches qui sont devant la porte, tu montes sur le tapis. Elle va se faire très mal. Fais pas ta manie. Attrape les sauts. Non mais elle n'y arrivera pas comme ça, c'est ridicule. Passe par le petit escalier à côté de la porte. Par le petit escalier. Non. Elle va se faire très très mal, c'est très dangereux. Pas dans les... Tu te compliques la vie. Descends. Descends! Et passe par le petit escalier à côté de la porte et va prendre les sauts. Il y a des marches qui sont prévues à cette étape. Il y a des marches, devant ouais. la porte. Bon, voilà. Il vaut mieux qu'elle monte déjà par là, voilà. Et là, tu décroches les sauts et tu vas essayer de remplir. Non! Et oui, et tu... Et tu... Avec les sauts, tu avances sur le tapis. Avances sur le tapis, il va remplir, il va y avoir un récipient à remplir. C'est super dangereux ce qu'elle fait, Jean-Luc. Mets-toi sur le tapis. Il faut qu'elle se mette sur le tapis, pas en équilibre comme ça, le présentateur. Voilà. Allez, on y va. Mais non, qu'elle remplisse, mais c'est ça le... Voilà. Oh non, si tu te vois, je pense à toi. Faut qu'elle fasse ça précisément, doucement. Sois précise. Le traitement à récupérer... Ça fait monter l'audimat. Allez, vas-y, passe bien. Ah. Allez. On a confiance. Alors le nombre de sauts est limité, donc elle essaye de gaspiller. Essaye de pas gaspiller. Ne gaspille pas de sauts, il n'y en a pas beaucoup. Vas-y. Oh, c'est très joli à voir, vraiment. Oui, vous voyez pas le flotteur qui monte au fur et à mesure qu'on met de... Oui, vous pouvez commencer allez. À venir de faire... Sors, sors, restez, sors. Vite. Vite. Il faut vraiment qu'elle sorte. Sors. Eh, Shirley, t'as pas compris, en fait, au début. Tu la connaissais pas cette cellule? C'est pas grave, on va pas perdre du temps, on va pas utiliser 3 heures. Allez, on va essayer de récupérer. Une combien? Une sixième clé? On va soigner une clé pour 5 clés. Un petit relâchement, Là, je sens comme un ventre mou là tout d'un coup. Hein. Ouais, ouais, il hey, faut non, essayer. On est là, on est. Allez, on est content. Allez, Charlotte. Allez. Bon. Jean-Luc, tu pratiques le tennis ou pas? Mal. Mal. Bon, donc tu es d'accord avec moi néanmoins pour dire que pour jouer au tennis, une balle de coton, c'est pas génial. Non, c'est pas non. Moche. Et pour cacher une clé, c'est vachement sympa. Viens, tu vas voir. Tu vas pouvoir le vérifier. Jean-Luc! Bon, il y en a un qui parle là, parce que c'est une cellule où il peut être prisonnier. Donc ça, d'accord. Je vous le dis. C'est-à-dire, Jean... Arnaud, tu te mets contre la porte, la clé qu'il va récupérer va lui servir également à se libérer de cette cellule. Donc c'est très important qu'il la récupère.
qui sort tous les ballots. Il sort tous les ballons aujourd'hui. Vous regardez bien tous les noms qui sont inscrits sur les ballots. Là, par exemple, il y a écrit Mexico. Dites à haute voix. Mexico. Ça vous servira. Mexico. Oui, alors, continue. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu où était la clé, Jean-Luc? Non, au fond. Tout au fond, il y a un petit coffre. Il faut qu'il ouvre. Vas-y, vas-y, Jean-Luc, fonce, fonce, c'est bien. Donc, qui se dépêche, vraiment. Là, pour le coup, on ne peut pas. Rentre dedans, vas-y. Fais tout entrer. Pas une seconde. Balance tous les ballons. Balance tout. Voilà. C'est bon. La clé est en route pour Mexico. Mexico, il est signé devant Mexico. Mais le Mexico, c'était le premier, oui. Le premier. Dépêche-toi. Voilà, je te touche, je te touche. Dessus. Ouais. C'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, vas-y. Vas-y, Jean-Luc. Ça le temps, c'est bon. Bangkok, Bangkok, c'est où Bangkok? Bangkok, 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 il y a encore dedans. Il est dedans, il est là. Il est là, il est là. Là, il est au Mexico. À gauche, voilà, tu l'as, il est devant toi, voilà. Oui. Très bien. Génial. Super. Là, t'es bien dans le temps, t'es bien dans le temps. Il est très bon. Il fait ça très bien. Quelle sérénité. Vas-y, Jean-Luc. Allez, allez. Recouvert, recouvert. Recouvert, il est pas sorti. Il est pas sorti, dépêche-toi, ressort dans le panier, qu'il ressorte les ballots. Vite, 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 aidez-le vraiment. Il entre dans le panier. Entre dans le panier, regarde bien, avant de sortir, ce qui est marqué dessus, ce qui est avant couvert, non? Parce que trois prisonniers, ça ferait beaucoup, hein, quand même. Allez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Captain, non. La main qu'il a balancée, j'ai pas vu. Non, je crois. À la porte. Voilà. Est-ce que tu le vois, mon couvert? Non. Mais c'est quoi? Il est venu. Allez, Jean-Luc. Je les vois même pas. Je sais que c'est dur. Non. Qu'il se dépêche maintenant, regarde. Non. Parce que maintenant, le temps qu'il récupère la clé, qu'il ouvre la porte, qu'il sort du panier. Trop tard. Il faut lui dire. Non, non, c'est pas assez. C'est bon. Jamais trop tard. Mais alors. Là, il faut. Tu l'as ? Attends, laissez le faire, il est dessus. Il est dessus, Jean-Luc. Il est dessus, Jean-Luc. Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Génial ! C'est bien. Alors, voilà, c'est bien, Jean-Luc, super. C'est bien joué. Génial. C'est super. Vas-y, vite, vite, vite. Jean-Luc. Voilà, voilà. C'est bon, c'est bon. Vite, 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 vite. Bravo, bravo. Non, c'est très bien joué parce que c'est une cellule qui est très difficile parce que d'abord, regardez, regardez-le comme il est essoufflé. Vas-y, parle. Ouais. Vas-y, parle. Bon, ça va. Ouais. Merci. Je fais encore une autre. Quel menteur. Quelle super, il en manque plus qu'une. On y va, on va la récupérer cette dernière. Allez, bien joué. Bon, on l'a eu ou pas? Non. Oui, on l'a eu. Oui, merci. Et en plus, in extremis, elle était super belle. Elle vaut de l'or, je vais en faire 3 tonnes. On l'a eu, on l'a eu. Bon, très bien. Ça nous en fait combien maintenant? 6. Je sais, moi je suis de loin en même temps. Très bien, 6. Alors ça, c'est l'épreuve dite de la bobine. Ça me fait marrer, moi, le mot bobine, ça me fait marrer. Et puis voir la tienne de bobine aussi, ça me fait marrer, surtout quand tu vas y aller. Oui, c'est pour toi. Allez, ici. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es pas content d'être là avec nous? Attends, mais moi, je suis en train de faire. Allez, pardon, allez, comme en deux. Allez. Ah non, c'est la 7e, hein. Allez, on y va, les gars. C'est la 7e, c'est la 7e. Bien, merci. Compte sur toi. Bonjour. Allez, alors c'est une épreuve qui est très, très difficile. Qui nécessite beaucoup de force, il faut qu'il s'accroche à la corde de façon à faire coulisser la petite clé. C'est parfait. Alors dis-lui de faire coulisser la petite clé. Voilà, il a compris. Bon, c'est bon. Alors le truc, c'est que dans, à mon avis, 5 secondes, il va lâcher prise parce que c'est vraiment très très fatigant. Non, attends, t'as pas vu la bête. Ah, parce que la corde bouge. Vas-y, s'il y arrive, il m'épatera parce que je... Voilà, depuis que je suis ici, j'ai jamais vu quelqu'un arriver. Bon, je vais y arriver. Allez. Bon, vas-y, c'est bon, je peux y aller. Allez, alors maintenant dis-lui, maintenant qu'il est en bas, qu'il se repose. Il a le temps, il a bien fait coulisser la clé. Repose-toi, on va se mettre à DVD. T'as encore le temps. Vas-y. Non, mais je suis sûre que c'est un argument de jeu. Si tu veux, arrête-toi, reprends plus tes forces, ça demande du temps là encore. Tu vois, la bête, je l'ai pas vue, mais je la connais. Arnaud, ta famille te regarde. C'est que de la force. Et aussi dans la tête, hein, c'est largement bon. Tout est psychologique. Alors regarde. Il lui reste quoi? La clé, il lui reste très peu à coulisser. Donc vraiment qu'il se repose, qu'il prenne un maximum de force, il a raison de faire ça. Non mais après, une fois qu'il est au-dessus, ça va lui prendre quoi? Même pas 10 secondes. Elle est vraiment proche de la fin. Quand il va, il y va. Respire, tu vas.
et qui donne tout. Tu vas tout d'un coup. Vous essayez une dernière fois, vas-y. Allez. Allez. 1, 2, 3, c'est parti. C'est pas bon d'essayer quand même. Il nécessite beaucoup de temps pour sortir, donc on peut vraiment... Allez, Arnaud, vas-y, vas-y. Ouais. Vas-y, donne tout. C'est encore une tentative. Il avait tout de suite, ouais. Pas bien juste, si tu veux te défouler, casse un mur, casse un mur. Non, c'est tout de suite ou tu sors. Mais sors. Écoute ce que t'as fait. Alors, je sais... Personne n'y est jamais arrivé. C'est bien, c'est bien. Ouh, tu souffres. En plus, t'es mon âge, t'es mon autre. Non, on est sûr. T'es sexy, t'es sexy. Mais peut-être que comme ça, tu fermeras ta bouche au moins 30 secondes. C'est l'acteur studio, tout ça. D'accord. Travail de comédie. Eh ben, c'est bien joué. Allez, on va faire la quête de la dernière. Allez, la dernière, on y croit. Il reste très peu de temps, hein, sur le décompte. Alors, on se dépêche. Bon. Alors, mon pauvre... Au taquet. T'emmenais pas l'argent. Je sais pas ce temps m'a dit. Je m'excuse d'avoir été un petit peu... Un peu grossier. Oui. Mais ça énervait à la fin. Mais je comprends. C'est une cellule qui énerve. Là, si j'étais médium, je pourrais dire d'ailleurs que cette cellule serait idéale pour toi, tu vois, pour te relaxer, justement. Mais comme je suis très mauvais en voyance, j'ai plutôt choisi Eglantine. Voilà. Eglantine, la 7e, hein. On ne sait jamais. Eglantine, c'est maintenant ou jamais. Profitons-en. Tu vas voir, c'est très simple. Eglantine, bonne chance. C'est parti. Ok, Eglantine, tu vas remplir ce tube. Il faut lui parler. Vas-y, Jean-Luc, tu lui parles. Alors, tu vas aller remplir ce tube. Se remplir ce tube, qu'elle le bouche avec la paume de ses mains. Tu vas le boucher avec les paumes de tes mains. Mais vraiment, qu'elle soit sûre d'elle, parce que maintenant, elle lâchera plus ça. Qu'elle passe en dessous. Voilà, sur le dos, sur le côté, c'est comme là où elle se sent le plus à l'aise. Donc, il y en a qui préfèrent sur le côté, il y en a qui préfèrent sur le dos. Surtout, tu bouges bien avec les mains. Et oui, qu'elle perde le minimum d'eau. Et une fois, alors ça je te dis maintenant, mais ne lui dis pas tout de suite. Ça c'est pour que tu puisses lui dire au bon moment. Quand elle va arriver, que ce sera le moment de verser l'eau. Qu'elle fasse ça très doucement, c'est dommage de perdre de l'eau sur le côté. Et surtout, elle n'a pas besoin de remplir jusqu'en haut. Il faut qu'elle s'arrête à la bague. En fait, une espèce de bague en métal. Ça suffit. Une fois que l'eau est à... Vas-y doucement et tu rempliras doucement. Hein. Et sache que si elle verse bien l'eau, elle peut éventuellement remplir même deux réservoirs. Vas-y. Allez, retourne-y. Et là, essaie de remplir le tube au maximum. Si tu remplis, tu pourras peut-être, ce sera peut-être ton dernier voyage. Oui, exactement. Remplis à fond et qu'elle est capable de verser toute l'eau sans en mettre à côté, pour remplir, après qu'elle peut remplir les deux derniers réservoirs. Vous avez compris que la claire se libère au fur et à mesure que les réservoirs sont remplis. Ouais, c'est bien, Eglantine, c'est bien. Surveillez le temps. On va la voir. C'est bien. Prends ton temps, surtout tu ne perds pas de liquide. Elle se débrouille très bien. Très bien. Voilà, bon, la moitié du temps est épuisée, mais en même temps, dans les là où elle dans en les est temps. Bien. Vas-y, calmement. Non, c'est bon, prends ton temps. Vas-y, doucement, il vaut mieux qu'elle prenne son temps plutôt qu'elle perde de l'eau. Très doucement, et s'il lui reste de l'eau, qu'elle le fasse à côté. Ouais, voilà, vas-y, voilà, très bien. Oui. Oui, c'est bon, elle prend la clé. Oui, elle a très bien géré. Super, elle peut sortir, elle peut même sortir. Et même, tu peux y aller en moonwalk pour sortir. Ouais. Un peu de panache. Fais un looping avant. Moonwalk, ouais. Elle a Jackson. Bravo. Il te reste 5 ans en plus. Et ça fait combien de clés? 7. Ça fait combien de clés? Bravo. Ça valait le coup de te faire faire la course. Non, c'est vraiment bien. 7 clés, on a 7 clés, on a quand même perdu 2 candidats, ouais. Spécial dédicace, peut-être. On va les récupérer, surtout, mais elle récupère très vite. Olivier Nath, on arrive. On suit pas partout et on va essayer de... On va pas essayer d'ailleurs, on va l'ouvrir cette salle du trésor maintenant qu'on a les 7 clés. Bien joué à vous. Je sais pas, moi j'ai trop mal, j'ai des crampes. Je suis moins grande que toi, moi. Je suis vraiment pas patient. En plus, ça me cramait en plus. Non, je peux pas. Bon,
Eh oui. Pierre. Oui. Ah ouais, je suis fier de vous. Passe-partout, ne perdons pas de temps, distribuons les clés à nos amis. Vous avez les 7 clés, celles pour lesquelles vous étiez mandaté pour la première phase de ce jeu. Allez-y, déverrouillez la porte et après nous parlerons de la nuit. Voilà, voilà. Et la dernière, c'est parfait. Bon. Que je fasse bien les comptes, nous avons donc 4 candidats, nous étions 6 au départ, il en manque donc 2. Deux prisonniers, c'est cette nuit que vous allez pouvoir tout faire pour les récupérer. Avoir deux prisonniers, c'est très handicapant pour les aventures de demain, d'autant que vous savez, c'est ce qui vous permettra de récupérer surtout les boyards pour l'association. Donc le tout, c'est de les faire sortir du chausse-trappe dans lequel ils sont tombés, et en plus bien tombés, puisque c'est la boule qui s'en occupe. Vous allez dans un instant maintenant rejoindre vos quartiers de vie grâce à Passepartout. Une fois la nuit tombée sur le fort, je vous convoquerai, nous parlerons de ce qui vous attend. Prenez des forces. Hein, vous connaissez l'expression, cool Raoul, relax Max. Ici, il n'y a pas de Raoul, il n'y a pas de Max, donc méfiez-vous quand même, mais il n'est pas sûr que le repos soit au rendez-vous. Allez, à tout à l'heure. Bon, en ce qui me concerne, je vous retrouve demain, mais j'adorerais retrouver une équipe complète avec 6 candidats, d'accord? On va se débrouiller. On va se faire un peu de corde. Allez, viens, on s'en va. Allez, c'est pas bien. Allez-y. Alors? Tu veux que je te dise? Ils sont bien? Écoute, oui, si tu veux que je te le dise, ils sont super. Ils sont, mais alors... Non, mais c'est vrai, ils sont bons, ils sont drôles surtout. Ils sont verrons si la nuit leur porte autant chance que le jour. Et on va voir s'ils vont rire autant la nuit que le jour. Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. Pour tenter de libérer ses prisonniers, l'équipe doit entrer dans la salle du conseil. D'étranges défis les attendent, savamment préparés par les maîtres des ténèbres, dans le respect de la grande tradition du fort. L'empreinte du cristal qui ouvre la porte du conseil est enfermée dans un coffret dont les candidats doivent retrouver la clé quelque part dans le fort. Les prisonniers non libérés dans la nuit resteront dans leur geôle jusqu'à la fin de l'émission. Oh, ça a l'air sympa ça. C'est notre chez nous. C'est chez nous, c'est un peu serré. A priori... Et là on fait quoi? On peut rentrer tu penses? Attendez, regardez. Ah, il y a un code. Il y a peut-être un code, il faut retrouver peut-être des lettres. Attends, dans les films, il y a toujours, tu bascules un bouquin et ça ouvre un... Oula, s'énerve là vers moi. Pas t'énerver, hein. T'as des machines, t'as des machines. C'est fait exprès ou pas? Non, mais je pense qu'on va mourir. Ah non. Attendez, bouchez les oreilles. Ah, c'est bon. Écoutez, à Fort Boyard, le temps est précieux. Ouais. En perdre, c'est s'affaiblir. Ici, tout se mérite, surtout votre confort. Tapez le code que vous trouverez, page 68. Oh la vache. Celui-ci sera votre sésame. Page 68. Page 68. C'est quoi, un code? Et si c'est un numéro de chapitre? Mais non, page 68, ils ont dit. Regarde. Parce que moi, j'ai jamais vu un... Est-ce qu'il n'y a pas un livre qui s'appelle 68? Tous les bouquins, on va y aller. Ah. 30 heures verrai-je. 1945, les usines Renault ferment leurs portes. Ah, on peut faire du scratch. Allez, hop là. Ça y est, ça y est. X, il y a pas X, X, F, B, D, Z. X, F comme fanfan, B comme banane, B comme panier. Jean-Luc, on est là. Aidez-nous. Ça fait partie ou pas? Oh, je suis mort. Ça y est, je pars. C'est lamentable. Reviens, tu es en train de quitter. Bon, on va lever quand même un verre pour nos deux prisonniers. C'est du vrai? Non, mais c'est vrai que là, il y a une question qu'on peut se poser. A-t-on encore besoin d'eux? C'est vrai. Dites-vous bien que s'ils étaient là, on aurait moins de champagne. C'est vrai. Et bien, pensez pour la boule qui fuit le soleil. À Olivier, Nathalie, et à on va sortir de là. Non, j'ai fait mon autre question.
Non, mais j'ai plutôt soif. Ça fait bien manger un bon fondu, ça. Un crapaud, si tu veux, là, en dessous. Pendant que je fais mon voyage, j'aime bien prendre un peu de champagne. Ce qui est terrible, c'est que, tu sais, avec ce décor et avec le champagne, ça fait un peu film érotique. Ah oui? Oui. Ah? La marquise était bien inspirée de nos invités à cette tournée de Venise. Vous croyez que c'est vraiment mangeable? Les jeunes se mettent là, ça. Oh! Un lit. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? S'il te plaît, t'es gentil, tu touches pas ma femme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, là, il y a Shogun. Il y a Indra, il y a Ganji qui s'est caché. Tu vas ouvrir, c'est sur nos amis. S'il te plaît. Ce sont nos amis. Ils sont maintenant. Ils sont où? Ah, voilà les Bertrand, Fabienne et Sophie. Oh, Jacqueline, comment vas-tu? Ah, oh. Ah, bah voilà. Ah, allez. Voilà la vie. Grand boîte. Grand boîte. Elle est chaude, elle est sauvage. Vous savez que vous avez donc un cristal à récupérer. Il se trouve là, dans ce coffret. Pour le récupérer, ce cristal, vous devez acquérir une clé. Et cette clé est cachée. Tiens, pour tiens. Avoir la clé, un signe vous sera donné quelque part ici dans le fort. Restez donc bien au centre, autour de ces flambeaux. Et scrutez partout, dans les coursives. Une fois que le signe vous sera donné, je pense que ce sera une indication importante pour vous pour retrouver la clé. Si tel est le cas, vous reviendrez me rejoindre dans la salle du conseil et nous tenterons de libérer vos prisonniers. Bonne chance à vous et bonne nuit. Merci Olivier. Merci Olivier. Au revoir l'ami. Passez une bonne nuit. Alors scrutons. Voilà. Alors on regarde. Je propose que moi je regarde de ce côté-là. Ouais. Moi je te regarde. Hein? Arnaud, je te regarde. Ça va. Mais ça me gêne quand tu me regardes. Regardez par là. Je peux plus regarder. Voilà, voilà, voilà. Ah, on a. Ah. Se passe un truc par là-bas. On va regarder un peu par là-bas. Ah oui. On rappelle vous, ben là. Vous, votre côté? Non. Bah rien. Moi, ça m'a brûlé les poils, donc c'est encore trop dans le cochon. Moi, je vais y aller. Allez, je vous laisse. C'était sympa. Oui, je... Ah. Salut, Glantine. On se voit demain. C'est si on, on peut la prendre tout de suite ou pas? Tu t'y connais un peu, c'est vrai, Jean-Luc? Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un furet. Ça va se coucher. Il a dit qu'il venait à quelle heure, Hugo Frey? Le truc il va péter, moi je le sens. Moi je m'accroche en tout cas. Sympa Olivier, hein. Moi le mec il me balance un truc, genre ça va péter, puis rien. C'est long. Il va rester combien de temps? Fais pas, mais c'est long. Moi j'ai confiance en Jean-Luc, je sais qu'il va la libérer, Jean-Luc. Jean-Luc, ah, ça y est, ça y est. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Oui, allez. Par là-bas, par là-bas, par là-bas. C'est par là-bas. Ça, c'est un son unique. C'est là, là. Je te connais. C'est le Chaboté, l'ami de Chantagoya. Est-ce qu'il faut qu'on attrape ou est-ce que le monsieur va parler? Bonjour. Bonjour. On vient pour l'indice. Nous sommes des amis d'Olivier Mignon. On peut vous prendre l'indice Oui, visiblement oui. En fait, c'est tout bête, tu sais. Tu es gentil. Aïe, aïe, aïe. Hein? Vous êtes ici? C'est un plan. Vous êtes ici. Nous sommes ici, oui, mais il faut non, on n'est pas là. Le lieu de vie, repérons-nous là. Regarde, on était là. Mais c'est quel étage, c'est ça? C'est là-haut? Si c'est le lieu de vie, le lieu de vie... Manche-fil, le manche-fil, c'était en bas, Jean-Luc. Le manche-fil, c'était en bas. Eh bien, essayons déjà d'aller en bas. Et si on se partage? Voilà. On fait chacun un plan. J'ai une idée. Non, non, non. Tu restes ici, nous, on part. Non, non. Non, parce qu'on va pas voilà. Ah, c'est un unique encore. On n'a pas de vol au produit. Ah, il va nous libérer. Il calcule un peu. C'est qu'il nous libérait là. Libérer, faites quelque chose. Visible, ça c'est moi, c'est là. En tout cas, c'était dans ce coin-là. Petit, c'est là. C'est là.
fusible, c'est... Ah bah c'est un lié. Mais un lié. Trois d'heure. Ah bah sûr. Voilà. Ah ouais. Rentrez, rentrez, vous êtes sûr de vous, là ? Ça s'appelle une clé. On va la dévisser. C'est un peu la dévisser. Bah sinon, on est obligé de tout emporter, hein. Non, ça peut rouiller, ça marche. Papa. Si, mais je crois qu'il faut tout emporter. Non, la chaîne. Ah oui, mais non. Il faut emporter la chaîne. Non, il faut emporter la roue. Oui. Oh, ça va, c'est pas très lourd. Allez, mon bonhomme. Allez, je sais pas où. Bah, à la clé. Faut, oui, au coffre, là où on a vu Olivier. Ouais. Bon, pas de chance, je vais vous laisser là. Allez, je vous soutiens, hein. Je suis avec vous, merci. Moi, j'ai crevé à l'arrière. Quand il y en a un qui peut plus, je vous le dis. Dans 3 mètres, tournez à gauche. Voilà, c'est bien. Allez, honneur à Églantine. On va la chercher. On a vu où, là ? Je suis comme ça. Je vais faire aussi vite que possible. Oh, attends, mais dis ça, moi. Ah, parfait, là, t'as vu lourd. Allez, moi, Arnaud, j'y arrive. Tête de tigre. Faut tourner. Ça va, tourne encore un coup. Ouais. C'est bon, là ? Ça y est, ça y est. Voilà. Attendez, je vous libère. Ouais. Non, ça sera sympa. Oui. Waouh, un phare. Ça y est. Et on va. Bah, c'est joli. Et bien maintenant. C'est pas magnifique ça ? Ouais. C'était bien. Allez. Non, pas là. Il me reste plus qu'à trouver une brocante. Il faut aller retrouver. J'en sais rien. Hop, je copie. Il y a un vide grenier. Charlet, rejoins-moi. Charlet. Attention à ton dos. Bienvenue au conseil, Charlet. Bonjour, bonsoir. Bonjour, petit chou. Approche-toi. Ah, elle est là. Moi. Nous allons tenter donc de délivrer un des deux prisonniers. Maître des ténèbres, procédez. Bien, Charlet, présente-toi ici. Le maître des ténèbres va positionner Olivier face à toi. Olivier, le problème pour échapper à la cage qui t'enferme, c'est la clé. Et pour que cette clé ouvre le verrou, il va falloir composer un code à 4 chiffres, car la clé se trouve dans le coffret que positionne maintenant le maître des ténèbres auprès de toi. Ce code, il est écrit sur 7 plaquettes. Mais pour que cette plaquette soit visible par Olivier, il va falloir qu'avec la bouche, tu manipules cette manivelle et que tu fasses remonter le code. D'accord, donc il faut que je prenne. D'accord. Uniquement avec la bouche. Mm-hmm. Shirley, bonne chance. Alors, Olivier. Moi, j'ai que ça à faire, hein. Je tourne ce truc-là. Voilà. Et tu tiens bon le temps qu'Olivier voit bien le code à 4 chiffres. Okay. C'est parti, joue. Tiens bon. Il faut que les chiffres soient dans l'ordre croissant. Lui. De gauche à droite. Croissant de gauche à droite. Alors refais vite. Ou tu fasses du plus petit au plus grand. Allez vite, de quoi ?
attention, parce qu'une fois que ta lumière s'éteindra, tu ne pourras plus manipuler le coffret qui est face à toi. C'est bon? Vas-y, tu peux lâcher dans ce cas-là. J'aurais pu arrêter, voilà. Et te concernant, Olivier, tu peux ouvrir la boîte. Si le code est bon, la boîte devrait s'ouvrir. Comment on ouvre? Tu ouvres en saisissant ici, par ici. Oui. Ah, c'est cool. Bien joué, tous les deux. Tu peux l'aider, Charlet, à quitter sa cage. Je dois l'ouvrir? Non, c'est pas comme ça. Ah bah non. On est bête. Attention, 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 Omar. Attention. Bien joué. C'est cool. Vous pouvez quitter le conseil tous les deux. Et vous appelez Arnaud maintenant. Arnaud, rejoins-moi. Arrête. C'est-à-dire que t'as fait quoi? Migane. Il fallait que je mette ma gueule, comme ça, il y avait les arrêts. C'est-à-dire ton joli visage. Arnaud, rejoins-moi. Arnaud, assieds-toi. Qu'est-ce que tu devais faire? Qu'est-ce que tu devais faire? Arrête, il est tout prêt. Bienvenue au conseil. Approche-toi. Tu viens donc ici, toi, pour libérer Nathalie. Viens, à ma droite. Maître des ténèbres, procédez. T'en prie, présente-toi face au maître des ténèbres. C'est un duel que je te propose. Si tu le réussis, le maître des ténèbres te remettra la clé permettant la libération de Nathalie. En voici le principe. Vous allez tous les deux vous saisir de cette feuille de papier pliée qui se présente à vous et en même temps l'allumer par le bout, sachant que le premier de vous deux qui soit fait s'éteindre son papier, soit le consume, le premier aura perdu. Bonne chance à tous les deux, messieurs, jouez. En même temps. Pour l'instant. On a fait stratégique là-dessus. C'est là où ça commence à devenir critique. Tiens bon, tiens bon. Hey! Extraordinaire. Il faut que je me ressaisisse. Arnaud, tu as réussi. Maître des ténèbres, veuillez remettre la clé. Tu peux ouvrir la cage. Je t'adore. Bravo Arnaud, bravo Nathalie, vous pouvez quitter le conseil. Maître des ténèbres, c'est ce qui s'appelle avoir eu chaud. Je ne vous félicite pas. Ça y est, ça y est. Bravo Victoire. Qu'est-ce que t'as fait? Attends, brûlé les pattes. Ça fait quoi? Ah non, vraiment. C'est les papiers. Ah oui, on t'a brûlé, j'ai mis. T'es brûlé? J'ai eu très peur. Bah, j'ai régi. Trop bon, voilà. Bon, 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 allez. Eh ben alors. Non, mais vous êtes une bande de champions. Vous vous souvenez de ce que vous pouvez. T'arrêtes ou quoi? On vient de me les implanter, t'es fou. C'est pas vrai. Bon, trêve de plaisanterie. Vous avez bien joué pendant le jour, vous avez bien joué pendant la nuit.
Que va-t-il se passer demain matin? On va perdre toute dignité. Non, sûrement pas. Je l'espère pas, en tout cas. Maintenant, Passe-Muraille va vous conduire à vos quartiers. Certains les connaissent, d'autres pas. Il s'agit d'Olivier et de Nathalie, vous allez voir. Vous êtes plutôt bien logés. Nous soignons toujours le service. Et on se retrouve demain matin. Profitez des quelques très petites heures qui vous restent encore pour dormir. Et à demain, avec Sarah. Bonne nuit, Olivier. Salut, Olivier. Profitez-en. Voilà. Ils me disent merci. C'est beau, une équipe d'inconscient. Pour ouvrir le coffre qui contient le trésor de Fort-Boyard, l'équipe doit composer un mot-code sur l'alphabet géant situé dans la salle du trésor. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur permet de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot-code du jour. Je sais ce que tu as besoin. Dis-moi. Le soleil vient de se lever. Enfin, ça fait un petit moment quand même, hein. Quelques minutes. Et c'est vrai que dans ce cas-là, eh bien, on sent que eh bien, l'aventure se présente à nous à nouveau. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais rien d'autre, il n'y a rien à ajouter. Par contre, on a deux, trois trucs à leur dire à nos amis candidats. Bonjour à vous. Voilà. Comment s'est passée cette nuit sur le fort ? Génial. Courte, longue. On va pas tout dévoiler. Très courte. Très courte. Attends. Sarah, il paraît que Charlet parle pendant la nuit. Oui, c'est une catastrophe. C'est ce qu'elle a dit, c'est ça qui est intéressant. Un peu somnambule. C'est le clé en pleine nuit, la fée. Il est bien gaulé, Olivier Mignon. Il paraît généralement que c'est la nuit que le cœur parle le mieux. Vous viendrez me voir après dans ma cellule. Alors, vous dire simplement que pour le programme de la matinée, nous avons pratiqué généralement la règle des 3 C, c'est-à-dire café, croissant et compétition. Voilà. Mais que... C'est ce que j'allais te dire. En fait, vous avez déjà eu les deux premiers. La compétition, c'est dans un instant. On va demander à Olivier de partir avec Passe-Temps maintenant pour se préparer pour la prochaine aventure. Olivier, que la paix soit avec toi. Et puis, pour ce qui est du reste, vous dire également que maintenant, c'est l'aventure, certes, c'est la peur aussi au rendez-vous, mais sur le fort, le salaire de la peur, eh bien, c'est 3 000 euros, d'ores et déjà acquis pour l'association que vous représentez. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce qui s'appelle une matinée qui commence bien. Bon. Le mandat est terminé. Nous allons le savoir maintenant. C'est avec Passe-Partout que nous nous orientons vers la première aventure. Allez, on va essayer de faire un maximum d'aventures. Pour ça, il faut se dépêcher. En permanence, se dépêcher et être speed. C'est parti. Voilà le mot d'ordre de la matinée. Speed. Ça vous va? Ça va. Quelle élégance. Vous ne voyez jamais Arnaud Gidoin de derrière courant, mais c'est on dirait un premier danseur chez Béjart. Incroyable. Tout dans le style. Bon, voyons maintenant ce que va donner le style d'Olivier dans un instant. Je dois d'abord vous dire que cette épreuve, cette aventure, va se faire à trois. J'ai besoin de Jean-Luc et de Shirley. Jean-Luc, tu vas aller toi à la terrasse. Shirley, toi tu vas aller à l'étage intermédiaire. C'est Passe-Temps qui va vous montrer vos places exactes. D'accord? Vas-y. Très bien. Et maintenant, nous concernant, pour ce qui est d'Arnaud, de Nathalie et d'Églantine, nous allons aller retrouver Olivier, là où tout va se jouer. Allons-y. Vous en prie, mesdames, messieurs. Olivier, comment ça va? Oh là là, il doit être mal. C'est vrai, Olivier a horriblement peur. Il n'est pas fan de... Ah, ça tombe bien, on a réuni les deux, là. Tu vas t'amuser. Tu y vas à fond, tu n'hésites pas, tu t'en fous, tu t'amuses. Dis-toi une chose, c'est qu'après... Tu seras l'homme le plus heureux du monde. Ouais. Je suis déjà heureux, mais... Oui, on dit ça souvent pour rassurer les condamnés. Bon alors, Olivier, comme tu peux le voir, donc tu as un poteau, il n'y a pas de prise, ça tombe bien, puisque ce ne sont pas des prises que tu vas trouver toi-même, mais qui vont être données par, à la fois, Shirley, que tu vois là, coucou ma belle, et Jean-Luc qui est tout là-haut, mais bon, lui, il s'est encore caché. Tu vas l'apercevoir dans un moment. Bonne chance à toi pour la progression, Sarah va t'expliquer tout le reste, et on se retrouve tout à l'heure. Ok, alors, tu as compris, on va t'envoyer des petits taquets. Les petits taquets, t'en as déjà deux qui sont fixés. Je vais tourner en arrière. Vas-y. Mais pas ça. Dis-toi que tu es super accroché. Alors tu avances tout au bout et après tu te retournes légèrement vers nous, d'accord? Et ça, je fais quoi? Tu les gardes. Pour l'instant, tu peux les mettre dans les premiers trous que tu vois. Allez, vas-y, Olivier. Dis-toi aussi une autre chose, c'est que rien ne peut t'arriver, t'es protégé. Ne regarde pas en bas. Protégé. Voilà. Regarde le poteau.
Allez, ça y est, le décompte vient de se mettre en marche. T'as un temps à respecter. Tu n'aimes pas le poteau. Alors, on va pas te mettre la pression, mais ça fait partie des choses que je dois te dire. Oui. Arnaud, tu peux lui dire un petit mot d'encouragement à Olivier et ensuite tu vas te préparer, tu t'y passes pour aller à la prochaine aventure. J'en ai allez, Olivier, compte sur toi, on compte sur toi. Et toi? Vas-y, Vas-y, tu peux commencer. Allez, maintenant, tu te lances. Dans l'autre sens, tu te retournes légèrement vers nous. Voilà. Comme ça, je monte. Oui, parce que Olivier, je monte comme ça pour te rassurer. Et puis moi, je vais t'envoyer le truc. Très bien. Vas-y, alors mets ton pied sur un premier petit taquet. Shirley et Jean-Luc vont t'en envoyer. Il faut faire attention, il faut que tu les rattrapes le plus possible parce que tu sais que le nombre de taquets est limité. Et si tous les taquets tombent dans l'eau, tu ne pourras plus progresser. Accroche-toi au taquet. Donc première concentration, lance-toi. Lance-toi. C'est plus rassurant de nous voir et de voir le mur. Voilà, très bien. Ouais. Donc la cartouche est en haut du poteau. Quand elle explosera, ça voudra dire que le temps est terminé. C'est bien. C'est bon. Soulève la jambe gauche. Voilà. C'est bon. Super. Monte encore. C'est bon, c'est super. T'inquiète pas. Voilà, tu peux encore monter d'un ou deux crans. Encore un taquet là, vas-y. Encore un. Génial. Un ou deux crans et tu récupères les taquets de Shirley et de Jean-Luc. Vas-y. Vas-y, Shirley. Wow. Maintenant, tu peux mettre ton pied sur celui-là. Génial. Super. Vas-y, ça tient, t'inquiète pas. Monte. Allez. Voilà. Bravo. Attends, elle va t'en lancer un autre. Alors là, il y a un petit obstacle, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire que tu peux mettre ce taquet dans le trou plus haut, tu peux mettre tes pieds sur les petits boulons, ça suffit. Ça suffit pour prendre appui. Vas-y. Très bien, très bien. Monte ta jambe gauche jusqu'au boulon. Au petit boulon. Encore un tout petit peu, voilà. Ouais. Très bien. Vas-y, remets le pied sur le petit boulon. Il glisse, ce petit boulon. Non, il tient. Il tient, regarde, t'as un taquet, regarde. Olivier, t'as un taquet avec ta main gauche, voilà. Tu prends appui là-dessus, tu mets ton pied sur le boulon avec ta jambe gauche. Et très vite, allez, tu pousses, tu tires même. Et avec ta jambe gauche. La carte va exploser s'il ne met pas un coup d'accélérateur. Il faudrait au moins qu'il arrive à passer ce cap. Oui, allez, vas-y. Allez. Maintenant, tu tires un grand coup. Oui, très bien. Bravo. Vas-y. Continue. Lève la jambe. Oui, vas-y, encore. La jambe gauche. Allez, vas-y. Je sens que la cartouche va exploser d'une seconde à l'autre. Enfin, ça, c'est mon sentiment. Non, c'est fini, la cartouche vient d'exploser. Écoute Olivier, on va quand même te féliciter. Bravo Olivier. Soit on l'accueille, mon père dit qu'on y va. D'accord. Tu nous retrouves, d'accord Olivier. Et encore bravo. Voilà. Est-ce que vous savez où nous sommes? Pas du tout. Non. Aucune idée. Non. Bienvenue. Ah, Shirley. Tu arrives au bon moment. Ouais. Jean-Luc aussi, pour vous annoncer que nous sommes devant la tête chercheuse. Ouais. Vous savez qui se trouve à l'intérieur? Ouais. Donc, pour récupérer la cartouche qui se trouve dans ce coffre, il va essayer de crier à chaque fois les chiffres qu'il aura vus. D'accord? Quelqu'un va se mettre à l'ardoise. Églantine. Ouais. Vous allez noter au fur et à mesure les chiffres qu'il va nous donner. On va les calculer, ça va donner un résultat, une addition exactement. Le résultat, c'est le code. Si vous n'êtes pas trompé, vous récupérerez la cartouche, à condition évidemment qu'Arnaud arrive à récupérer tous les chiffres dans le temps imparti. Mais on va les retrouver justement, Olivier et Arnaud. Sarah, je suis avec Arnaud. Arnaud, ses lunettes te vont admirablement bien, sache-le. Écoute, moi j'adore. Oui. Je vais lancer un truc là. Alors Arnaud, avant d'en venir à ce qui t'attend, j'aimerais, Sarah, que tu demandes à Nathalie de suivre Passe-Temps pour se préparer pour la prochaine aventure. Nathalie, tu vas suivre Passe-Temps et tu vas aller te préparer pour la prochaine aventure. Arnaud, tu sais que le propre des grands humoristes, c'est d'arriver à faire rire, même dans les situations les plus tragiques. Et j'ai l'impression que ce matin, tu vas être extrêmement drôle. Oui, c'est ça. Voilà. Si tu le dis et que j'ai envie de te croire. Je pense que le mieux, c'est que ton envie reste définitive. Voilà, bonne chance. N'oublie pas, il faut que très vite, tu donnes les chiffres que tu vois pour ouvrir le coffret. C'est parti. Ah, regarde.
Ah, ça me file. Qu'est-ce que c'est? Salut les copains. C'est papa, papa arrive. C'est oui, c'est ça, c'est, je n'ai pas peur. Oh putain, mais ça tue là-dedans. Et regarde à droite, là. Je vois 925. Salut les bestias, barre-toi de ma route. Bon là on entend. Oh non. Mais c'est bien s'il peut le... Oh c'est pas vrai, ça pue. Une fois sorti du box. Oh ça pue. Mais barre-toi, non. Oh putain. Il aime pas les bêtes. 8-0. Merde. 8-0. Il en manque un. 8-0. 8-0-3. 8-0-3. 8-0-3. Oh non. Non, putain, non. Ça veut dire, il y a des trucs sur moi. Oh putain. Qu'est-ce que je fais? Ah non. Putain. Oh putain, non. Qu'est-ce que je fais? Regarde en l'air. Hein? Regarde en l'air. Il y en a plein. Non. 6. 2. 1. T'es sûr de toi? Et le numéro complémentaire, moi je déconne. 621, je suis... Oui, attends. 621. Oh putain, mais ça pue, c'est un délire. Ah, l'oreille gauche est touchée. Attendez, ça fait un créneau. Continue. Aïe. Regardez les bravo sur ses cheveux. Oh la vache. Ne lui dites pas. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Oh non. Allez, attention. C'est rien, de toute façon. Allez, courage, respire un bon coup, c'est rien du tout. Il y en a plein les prés, il y en a sur les coquelicots, tu aimes les coquelicots. Allez. Oh merde, il y a dessus. Qu'est-ce que je fais? J'aspire ou je souffle? Je bois. Je bois. C'est bon. C'est 142. On t'entend pas. Va lire après. 742. 742, c'était. Combien? 742. Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il... Oh putain, ça tombe, c'est la mort. Oh la vache, ça sent les billets. Non, là, il peut pas parler, il y a beaucoup de mouchons. Parlez-vous. Il faut qu'il souffle, hein. Il faut qu'il souffle. Et regardez, la cartouche a explosé. C'est fini. Et Glantine, on va quand même le féliciter lui aussi. Hein, tous les deux, Olivier et Arnaud. C'est pas grave. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que tous les deux, vous avez surmonté des choses difficiles et qui vous ont donné une boule dans le ventre. Je crois que et c'est ça le principal. L'équipe va s'en occuper, ça j'en suis certaine. Parce que par contre, on te suit et on va pas perdre une minute de plus là. En allez, revanche, bravo. Il y a quand même 0 à 10. Hein. Allez, on se refait là. Alors, les nouvelles? Mauvaise. Ah bon? On est fiers de l'équipe parce que super. Fiers d'Olivier, fiers d'Arnaud. Il a été formidable, il a tout fait, mais le temps, le truc a explosé avant qu'on ait eu le temps. Bon, alors ne perdons surtout pas de temps pour le moment, donc aucun indice. Je pense que prendre des risques quand c'est inutile, ça vaut pas la peine. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que tu vas sauter dans le vide pour un truc important. C'est l'indice, la toi, cartouche. Hein. Je te propose donc de monter à la passerelle. Bah, rapidement, allez-y. Donnez-vous du punch. On est grand, on est fort, on est mouton, on travaille fort. Allez, c'est parfait. Nathalie, vas-y. On compte sur toi. Quant à toi... Charlet, tu vas suivre passe-temps pour la vigie avec le père Foura, s'il te plaît. Allez là. Et on va la voir vous, nous. Allez, vous me suivez. Allez, Nat, ramène-nous ce premier indice, hein. On compte sur toi, Nat. Écoutez bien, parce qu'elle va nous donner un code qu'il faudra une fois encore pour passer ici, sur la boîte, pour récupérer la cartouche. Donc, qui veut se tenir prêt à le faire? Faire le code? Ouais. À partir du moment où on récupère. Tu cries très fort et tu penses à rien d'autre. Arnaud. Nathalie, t'es magnifique. On est fiers. Allez. On est fiers, on est déçus, mais on est très fiers.
Ça va être un grand moment. C'était adorable, mais à un moment donné, t'avais une très jolie voiture. Je sais pas où t'as trouvé ces barrettes d'asticots, mais ça t'allait à merveille. Un commerce. Tu me donneras la tête. Allez, maintenant, regarde Nathalie. 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 Un grand M. Allez. Comme magique. Tu cries très fort. C'est comme une équipe de nage. Allez, Nath, allez. On est à l'oreille, on écoute bien ce qu'elle nous dit. Je saute comme ça ou en l'air? Tout droit. Allez, Nath, allez. Les bras qui tremblent. Les bras qui tremblent. Petite Shirley, l'œil a l'air clair, le teint éclatant. Apparemment, vous avez passé une très bonne nuit. Ça va? Oui, vous êtes en pleine forme. Parfait. Concentré. On essaye. Pas impressionné du tout? Un peu. Mais pour ma part, je le suis un peu, je vous l'avoue. Écoutez bien, voici les trois définitions. Première définition. L'indice peut être faux. Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Faux, faux semblant. Et encore, voilà, faux, des associations. Faux. Deuxième définition, gardez bien cette dynamique, c'est très bien. Blanc, l'indice est employé. Vote, blanc. Troisième, définition, Shirley. L'indice est entre deux sommets. Montagne. Oui, presque. Allez, allez, montagne, encore. Montagne, sommet, neige. Entre deux sommets. Entre deux sommets, oui. Entre deux collines. Vous y êtes presque, allez. De montagne, colline, sommet, blanche. On arrête cette hémorragie. Eh bien, vous êtes très, très, très proche de l'indice. Ouais. Vous gardez tout ça en tête, n'est-ce pas? Ouais. Et je suis sûr que vous allez finir par le trouver. Vous êtes très, très proche. Vous descendez, on continue à travailler. Allez, allez. Shirley, allez, allez, vous êtes proche du bonheur. C'est tellement difficile, le bonheur. Oh, mais j'avais un ami asiatique qui disait toujours que le bonheur, en quelque sorte, est comme une potiche posée sur la tête d'un mandarin ivre et qui éternue. C'est une bonne définition. Bon, Eglantine, nous voici maintenant avec cette aventure dite du funambule. Je ne suis pas sûr que tu viennes d'une grande famille de cirque. Non. Mais il y a un début à tout. Voilà. Peut-être une grande carrière, peut-être pas je du tout. Je pense que si, parce que ton élégance et ta grâce vont opérer également sur ce câble. Au bout du câble, tu le sais, il y a donc la cartouche à récupérer, dans laquelle il y a un code qui permettra à tes amis eh bien, de récupérer l'indice. Bonne chance à toi. Je pars maintenant. Tu y vas maintenant, quand tu veux, quand tu le sens. Reste calme et concentré. Et elle est partie, Eglantine. On est de tout cœur avec toi. Regarde pas en bas. Nat, t'as fait un très joli saut. T'as plongé comme... J'ai un peu la tremblote quand même, hein. Alors, le plus difficile à gérer, c'est que dans ces cas-là, on a souvent... Je reviendrai là-dessus après, Shirley. Tu l'as eu l'indice? Non, mais... Est-ce que tu te souviens? Alors, blanc, entre deux montagnes. Et le premier, je l'ai déjà oublié. Blanc entre deux montagnes. Réfléchis quand tu l'as, tu nous le donnes, nous on va suivre la progression d'Eglantine. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que dans ces cas-là, on a tendance à trembler des jambes, c'est normal, hein, parce que c'est très impressionnant. Et c'est ça qui rend l'épreuve encore plus difficile, parce que la corde, forcément, se met à trembler. C'était bien, là, Eglantine. C'est très bien. Bien là. Alors,
faut surtout qu'elle fixe toujours, toujours un même point. C'est une tactique pour bien trouver son équilibre. Regarde, droit devant toi. C'est ce qu'elle fait là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est bien, en plus elle progresse. C'est hyper loin. Ouais, regarde, c'est bon. Pense pas à la distance, regarde droit devant et avance. Le triangle devant. Écoute, je vais te faire un compliment, mais super sincère, c'est très très belle là-haut. Elle a une idée, Shirley a une idée. Entre deux montagnes, col blanc, ça se dit. Ouais. Et le premier, je me souviens plus. Mais c'est censé. Entre deux montagnes, col blanc. Montée. Il y avait un rapport avec des travailleurs. Montée. Entre deux montagnes. Entre deux montagnes. Et après, parce le deuxième, après, c'est je quoi je lui ai dit, vallée, machin. Attendez, attends, regarde Eglantine quand même. Eglantine, tu progresses très rapidement, c'est très bien. Ne me regardez pas, je me sens mieux quand vous papotez entre vous. D'accord, alors on continue. Ça va, je vous avez fait hier soir. J'ai dit colline, j'ai dit vallée et tout ça. Il m'a dit vous êtes sur la bonne voie. Et là, c'est sans fin, ce col. Truc. Entre deux montagnes, col et bon, blanc. Col blanc, mais col blanc, donc ça marche bien. C'est sensé. Mais on va regarder Glantine quand même. Elle est très bien. Incroyable. Et vous voyez les jambes qui tremblent? Ah bah oui. Est-ce qu'elle est bonne pour tomber là? Je suis au-dessus des tigres là, non? Tant pis. Tu es presque, Eglantine. Te précipite pas là, ce serait dommage. Prends ton temps, il te reste du temps. Une fois que je l'ai en main, c'est bon? Tu l'arraches très vite et surtout tu le fais pas tomber en bas. Mets ta main dans la hanche pour... Non! Essaye de t'asseoir sur le câble, voilà. Très bien. Glisse-toi sur le côté. C'est génial. Super! Oui, oui, tu vas la voir. Attrape-le. Super. C'est génial. Moi je dis yes. J'ai envie de pleurer. Il faut encore que j'aille au bout. Grâce à toi, Arnaud a rompu avec sa grenouille. On a deux indices. Grâce à toi, on a deux indices, peut-être même un troisième avec Charles Leclerc. Écoute, j'avais déjà vu le funambule, mais jamais de cette façon. Et dorénavant, je le conseillerai aux autres candidats, d'accord? Allez, on y va, ça c'est la cloche, c'est la fin du temps, Jean-Luc, je t'ai fait très déçu. Tu vas tout donner dans la salle du trésor, d'accord? Allez, on se dépêche. Définitivement, on vit de grands moments sur le fort. Hein. Et Glantine, Bon, alors, nous avons pour le moment donc deux indices. Est-ce oui, que Shirley, par rapport à la vigie... Oui. C'était entre deux montagnes, j'ai parlé de vallée, de tout ça, il m'a dit que j'étais dans le... Commencez déjà à ouvrir les cartes. Allez, découpiller là-bas. Il y a un coup de l'autre, c'était franc ou... Ton idée, c'est quoi? Moi, colle. Moi, ça me semble logique. Oh, bah, pourquoi? Bravo. Tu nous as offert un grand moment de suspense. Tiens, Jean-Luc. Parce que entre deux montagnes, là, ouais, il faut col. Moi, ça me paraît logique. Espace. Col, mais sans la certitude du père froid. Mais, encore une fois, Tapis, volant, espace, col. Une hésitation, un doute, une interrogation, un sacrifice. À mon avis, le mieux, ce serait de sacrifier quelqu'un, vous savez. Là. Donne-nous vite la cartouche. Tiens, Charlie, va l'ouvrir. Jean-Luc est tout frustré. Tu vas te donner à fond hein, sur la récolte des boyards. Haricot blanc, espace, col, haricot, tapis vert, espace vert, vert, organisez-vous, c'est vert.
Allez, 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 B, C, R, T. Allez, 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 allez. Bon alors Père, hein, vous êtes bien organisé. Vous voulez pas faire une dernière récap? Non, hein, dernière récap. Allez, perdez pas de temps. Si tu rentres, tu te mets sur le côté. V. Vérifiez. V, E, R, T. Félindra, tête de tigre. Comme des bêtes. Allez, elle a pesé. C'est très très bien. Allez, elle a pesé. Les émotions jusqu'au bout. Hein. On aura vécu. Arnaud, on passe. Clantine, Jean-Luc. Ça va, Jean-Luc? Ouais, ça va. Tu vois, tu t'es bien défoncé là, hein, sur la fin. T'as tout donné. Ouais. Je pense que c'est la bonne comparaison. Bien, j'espère que vous aurez gardé des souvenirs impérissables de cette aventure. Oui, je suis confiant. Très bien. Alors, avant de voir à combien s'élève votre chasse au boyard, revenons d'abord sur les indices que vous aviez. En effet, l'espace pour l'espace vert, jardin ou parc, le tapis pour tapis vert, qui recouvre une table de jeu, et le haricot pour le haricot vert, le légume, et le col, bien sûr, pour le col vert, le canard. Le col, en effet, vous avez raison de réfléchir à deux fois pour cette... indice. Nous allons voir maintenant avec Passepartout et Passe-temps à combien maintenant s'évalue votre aventure. Ah, donc, il n'y en a pas une. Ouais. Non, ouais. Moi, je peux rajouter. Hein. Il n'y a pas le compte, voilà. Attention, voilà, c'est bon. Regardez. 11 610 euros. C'est vachement bien. Ah non, c'est très bien. Applaudir. Je vais être fier de vous. Vous aviez 3 000 ce matin et maintenant vous avez 11 610 euros. Bravo. Génial. Ah, très bien. Bravo. On crie, on fait cri, un petit cri de guerre. Allez, criez. Allez. On est grand, on est fort, on est grand, on travaille fort. C'est mieux qu'hier. Oui. Vous avez fait des progrès. Bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous avez toutes et tous fait vraiment preuve de l'esprit du fort, en fait, tout simplement. Solidarité, bonne humeur, c'est bien amusé aussi. Ah. Bon, mais j'espère vous revoir très vite. Oui, au revoir. Plaisir. Oui, plaisir. Plaisir. Attends, tu vas aller faire ton petit cri de guerre à toi? Oui, je allez, suis le mien. Au revoir, Passepartout, au revoir, Passe-temps. Pour les petits moutons, dessine-moi un mouton. Vous nous avez offert une très très belle émission. Je suis vraiment sincère quand je dis ça, surtout ce matin. Et alors, la touche finale, hein, le final touch. Oui. C'est énorme. On n'y croyait plus et puis il t'a trouvé la solution. Tu me l'as soufflé, je t'ai entendu. Écoute, tu me l'as suggéré.
Arnaud, toi aussi, t'étais très mignon. Je ne dirais pas ça. J'ai quelques amis dans les boîtes, je vais aller les revoir là. Jean-Luc, je suis désolée, je sais que t'es triste de ne pas avoir fait une aventure ce matin, mais c'est la règle du jeu. C'est pas grave, j'ai rencontré l'amour. C'est déjà énorme. Merci. Voilà un scoop. On va quand même dire un petit mot sur l'association, un dernier petit mot. Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton, une association qui s'occupe des enfants donc qui sont touchés par le sida, que ce soit ou personnellement s'ils sont atteints de la maladie ou encore un membre de leur famille. On prend en charge la famille et puis on les aide. Il y a un suivi médical, un suivi psychologique. On les aide à construire un projet de vie. C'est très important. En tout cas, j'espère qu'ils seront fiers de vous et ils auront toutes les raisons d'être. Des bisous là. N'oubliez pas le site internet france2.fr pour nous faire part de vos commentaires, de vos appréciations. On vous embrasse tous très fort, les enfants, les parents, les grands-parents, et aujourd'hui j'ai même rajouté les tantes et les oncles. C'est à très très bientôt sur le fort. Allez, on y va, et on ramène nos voyages. Un pour tous, tous pour un, tous pour l'association, ce pourrait être la devise du fort. À bientôt pour de nouvelles aventures, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.